Y'a les keps, c'est frais, j'espère que vous allez bien, mais comme d'habitude, ça fait de la forme. Je vous attire à ce pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online où les gars, on va se retrouver pour une tenue modée ultra facile à faire, magnifique, avec des belles couleurs, qui est pas du tout compliquée, accessible à tout le monde, qui est sans outfit. Il y en avait beaucoup qui me demandaient sans codage, sans outfit, et ben là, elle est super facile, sans codage, et voilà les gars, disponible pour tout le monde, et franchement, très rapide, en 5 minutes, elle est faite. J'espère que vous allez kiffer les gars. Avant que l'on commence, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Comme d'habitude les gars, vous connaissez la musique. Road to 100k, ça me ferait ultra plaisir. Autant les 400 likes, etc. Donc les gars, donc cette tenue modée, elle n'est pas ultra modée. Je le dis direct avant de commencer, parce que je vois bien qu'il y aura certains petits commentaires. Oui, elle n'est pas énormément modée. Oui, je sais. Vous avez été nombreux à me demander tout simplement des tenues sans codage, qui sont très faciles à faire et accessibles à tout le monde. Et bien celle-ci, je l'ai trouvée en jouant à GTA 5 Online. J'ai testé quelques tenues modées. J'espère qu'elle va vous faire vachement kiffé. Elle est super simple, vous allez voir, franchement il n'y a que quelques trucs qui sont modés sur la tenue, mais je trouve que c'est vraiment ces petits trucs là rendent la tenue magnifique. On va check tout ça ensemble. Si vous voulez vraiment des tenues ultra modées les gars, j'en ai plein sur ma chaîne qui sont outfit etc, mais qui sont plus longues et plus dures. Donc voilà les gars, là on va se reprendre une tenue vraiment super simple mais qui est magnifique. C'est parti la team. Si vous voulez tout des glitches duplication, des glitches d'argent, il y a tout ça en description. Je vous mettrai tout aussi dans mon onglet communauté, n'hésitez pas à les checker. Et je vous ferai bientôt une vidéo pour rassembler tous les glitches encore fonctionnels. Dites moi si vous êtes chaud les gars, je vous fais une petite vidéo où pour vous montrer tous les glitches encore fonctionnels, donc soit glitch d'application, glitch d'appartement, glitch d'argent freeze, n'hésitez pas à me dire. Et voilà les gars, donc la première chose pour se faire cette petite tenue, on va se retrouver en session invitation tranquille les gars, et on va se retrouver au casino. C'est disponible pour tout le monde, c'est simplement la boutique du casino. Voilà les gars, donc quand vous arrivez dans le casino, on va se diriger simplement vers le magasin. Donc ce moment, je suis sûr qu'il y en a plein qui savent même pas qu'il y avait un magasin là. Donc voilà les gars, on se dirige vers le casino. Et juste à droite, il y aura tout simplement un petit magasin de vêtements, des magasins, enfin des vêtements exclusifs pour le casino. Voici, c'est disponible pour tout le monde, vous ne tracassez pas. Et on va tout simplement aller ici, donc voir les hauts, et on va prendre un suite à capuche, les gars. Voilà, on va descendre, suite à capuche. Dans les suites à capuche, on va descendre jusqu'à avoir le suite jaune. Je vais vous montrer, on va checker ça tous ensemble. Voilà, on continue à descendre, les gars. Et le voici, l'imperméable jaune. Donc déjà avec le suite, je kiffe. Voilà, il est super beau. Vous l'achetez, c'est 19 000 $, c'est pas du tout cher. On l'achète et on va se diriger directement les gars vers un Superban, en tout cas un magasin de vêtements. On est tranquille aujourd'hui, on est au samedi les gars, c'est ensoleillé. On est en confinement, on fait pas les cons, on profite tranquille les gars, voilà. Donc ensuite, il faudra aller dans les vêtements et dans les casquettes les gars. Donc dans les casquettes braquage du Diamond Casino, vous devrez prendre la casquette Smiley A. Voilà, donc regardez les emplacements où elles sont les casquettes, enfin, en tout cas les emplacements des vêtements, ce sera beaucoup plus facile pour chercher les vôtres. Ensuite les gars, vous allez dans les pantalons, et dans les pantalons, vous allez dans les pantalons de sport, et prendre le pantalon de sport noir. Voilà, donc comme moi, pantalon bas noir. Donc les gars, si vous voulez changer le pantalon et par exemple prendre un jogging noir, celui qui était glitché, vous pouvez très bien utiliser ce pantalon là. Moi je vous montre une version de la tenue modée, si vous voulez la modifier, l'améliorer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc déjà là les gars, la tenue elle ressemble à quelque chose. Au niveau des couleurs, c'est super bien sorti, j'adore. Rouge noir, c'est toujours jaune noir, c'est toujours ce que j'ai kiffé. Et ensuite, on va aller dans les baskets en toile, les gars, et on va prendre les baskets en toile jaune. Voilà, donc en 10 sur 17, nickel. Donc là, les gars, déjà propre tenue, voilà, pas de couleur bizarre ou quoi. Ensuite, on va aller dans les accessoires, dans les gants, et on va prendre tout simplement les gants qui sont tout en bas, les gants. Les gars, excusez-moi. Et on va prendre tout simplement les gants tactiques noirs. Voilà. Donc là, j'aurais dû faire flèche du haut directement pour aller au dernier. Donc c'est celui qui se retrouve en 64 sur 64. Regardez, c'est tout simplement ce gant-là. Donc le gant tactique noir. Voilà, on va le mettre. On l'achète, on met les gants. Vous pouvez même modifier. Après, vous pouvez rajouter des trucs si vous voulez. Des boucles d'oreilles, etc. C'est à vous de choisir, les gars. C'est à vous de vous faire votre propre tenue, moi je vous montre une version et après vous l'améliorez si vous voulez. Quand vous avez tout ça les gars, on va aller sauvegarder la tenue plutôt. On va aller la sauvegarder tranquille à la caissière. Voilà, tenue sauvegardée. Et on va tout simplement sauvegarder la tenue. Voilà. Je mets un petit nom, un nouveau nom. Moi j'avais mis Yellow. Et on est bon, on va se diriger vers une longue vue les gars. Donc avant de se diriger vers une longue vue, on va tout d'abord aller dans les vêtements. Et dans les vêtements, on va aller dans les tenues d'extermination.
tenue de braquage, combinaison. Voilà. Et on va prendre la même tenue de braquage que moi. Donc c'est-à-dire vous prenez soit fumigation, risque toxique ou carotène, c'est à vous de choisir. Moi je vais prendre la noire. Vous pouvez très bien prendre la jaune ou la bleue. Nous ce qu'il nous faut c'est le masque à gaz. Quand vous aurez ça c'est parfait, on va se diriger vers une longue vue. Une longue vue il y en a partout, il y en a à vos appartements, il y en a à la mer, là je vais vous montrer qu'à l'océan il y en a. Voilà, donc juste où je suis, mais vous pouvez très bien l'avoir dans les appartements sans problème. Là oui, quand je m'approche d'une longue vue, il y a en haut à gauche, flèche de droite pour utiliser la longue vue. Ce qu'il va falloir faire, c'est placer comme moi, courir vers la longue vue et faire flèche de droite quand le menu s'affiche. Regardez, au cours, on fait flèche de droite et boum, mon personnage perd son masque à gaz, c'est nickel, revient vers la longue vue mais ne regarde pas à travers la longue vue. Après on va ouvrir notre menu d'interaction, style, et on va prendre la tenue que j'avais sauvegardée. Donc moi pour ma part c'est yellow. On va s'éloigner tout simplement de la longue vue et paf, regardez, le masque à gaz se met sur la tenue. Et déjà là actuellement, c'est déjà un petit modage, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre un masque à gaz sur la tenue alors que normalement c'est pas possible. Donc déjà là, c'est la tenue. Donc là vous pouvez soit mettre votre capuche en remontée ou non, c'est à vous de choisir comme vous voulez les gars. C'est un petit modage en plus de mettre la capuche remontée, en plus du masque à gaz, à vous de choisir. Moi pour ma part, je la préfère ça, mais comme vous voulez. Donc avant de sauvegarder la tenue, vous devez choisir si vous préférez votre capuche remontée ou baissée. Pour ma part, je l'ai mis baissée. Et on va seulement encore une fois sauvegarder la tenue. Donc là les gars, déjà la tenue je la trouve super belle, elle est très propre. Et maintenant on va encore une fois essayer d'un peu l'améliorer. Voilà, donc quand vous aurez fait ça, on va se rediriger vers Suburban. Voilà, vers magasin de vêtements. Quand on sera dans les tenues les gars, vous allez aller comme moi dans les tenues de vol. Dans les tenues de vol, on va prendre la combinaison de vol noire. C'est bien obligatoire d'avoir celle de vol noire puisqu'il nous faut le tuyau noir tout simplement. Quand vous aurez pris la tenue de combinaison de vol noir, on va se diriger vers un club de striptease. Il y en a que de toute façon dans Los Santos, je vous ai montré l'endroit. On va rentrer avec notre tenue de vol et quand on sera avec notre tenue de vol, on va aller dans style et on va remettre en fait notre tenue qu'on avait glitché. Donc là vous voyez bien que j'ai pas le masque, c'est pas grave, je vais refaire style et refaire yellow. Donc ma tenue. Voilà, et à un moment ça va passer. C'est nickel. Donc là, je ressors simplement de la de club de striptease. Et là, regardez, j'ai le tuyau. J'ai encore une fois un petit truc glitché puisque j'ai le tuyau noir qui s'est ajouté à ma tenue. On va se retrouver encore une fois à Lamination, les gars. À Lamination, on va encore une fois essayer d'améliorer nos tenues. On va acheter un parachute. Et dans les sacs harnais, tout simplement, on va prendre le sac harnais noir. Donc voilà, sac harnais noir. C'est le plus basique. Si vous en avez d'autres, ben, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de problème. Voici. Donc là, les gars. On va aller dans style, ouvrir notre menu d'attraction, style, parachute, et on va faire parachute avec. Et là, la tenue, elle est superbe. Franchement, j'adore cette tenue, elle est magnifique. Avec ce sac harnais noir, le tuyau de vol glitché, le masque à gaz glitché, les gars. Certes, comme j'avais dit, c'est pas une tenue modée de ouf. Il n'y a pas des modages super fous, il n'y a pas de votre invisible ou quoi. C'est une simple tenue, mais qui est super belle. Moi, j'adore. À vous de choisir. Vous pouvez très bien rajouter, si vous voulez, le masque à gaz. Et là, je vous montre encore, les gars, une petite manip. Si vous voulez encore une fois rajouter quelque chose, vous râlez dans les longues vues. Et vous allez rajouter tout simplement. Donc, quand vous avez toute la tenue faite, vous faites flèche droite sur les longues vues. Et vous rajoutez des lunettes, comme j'ai fait moi. Donc, des lunettes, par exemple, celles que j'ai mises, lunettes de crépuscule. Ou une autre, comme vous voulez, masque de ski crépuscule. Et regardez, ça vous donne ça. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. C'était Fries. Prenez ça de vous, la team. J'espère que vous aurez kiffé cette tenue modée très simple à faire. Allez, bye tout le monde.